Quand on demande aux Bourguignons quel est leur plat typique pour les fêtes de fin d'année, une réponse revient souvent. C'est au chapon qu'on pense. La belle volaille avec des morilles, voilà, des choses comme ça qui font rêver un peu. Ce boucher n'en vend qu'à cette période de l'année. Le plus gros de son stock est parti pour Noël. Pour le nouvel an, ce sont des plats plus simples à préparer que privilégient ses clients. Les gens se facilitent un petit peu le repas. Souvent, ils s'y prennent un petit peu au dernier moment aussi, donc il faut des choses un petit peu rapides. Alors, on vendra beaucoup plus de viande, rôti de bœuf essentiellement, un peu d'agneau, et aussi encore un peu de volaille, bien sûr. Toutes ces volailles viennent de Bresse, des produits locaux qui rassurent. La viande, je fais confiance à mon boucher. Je me sers que vers les petits producteurs qui sont autour du marché, à l'intérieur du marché. Plus précisément, au marché des Halles de Dijon. Les produits traditionnels de la région s'y retrouvent, comme les escargots de Bourgogne. Ce commerçant en vend 2000 par jour en ce moment. Un plat qui remporte toujours un franc succès. Tout le monde achète, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées, n'importe qui. Il n'y a pas vraiment de profil type, c'est un plat d'ici, donc en général, c'est vraiment une spécialité des fêtes. Les clients n'hésitent pas non plus à se tourner vers des spécialités revisitées, en faisant là encore confiance à leurs commerçants. Ce nouveau produit, c'est-à-dire une confiture à la moutarde, ça a un goût sucré-salé. Donc on a ce petit goût sucré en fin de bouche, et puis ce petit goût de moutarde qui relève un petit peu, qui va très bien, qui s'associe très bien avec des fromages frais. Fromage, cassis, pain d'épices et même jambon persillé. Pour certains, c'est l'ensemble du menu du nouvel an qui sera bourguignon.